Que fais-tu, Fanny? Je suis en train de relire ma leçon sur la liturgie. Pour faire quoi après? Pour faire une dictée muette pour m'entraîner sur la liturgie. Que fais-tu, Louise? Je me manipule les cartes à pince avec les mains. Tu révises les noms jusqu'à 999? Oui. Que réalises-tu, Paul? Je fais la fiche du verbe et je fais la 2. D'accord, donc tu es prêt à valider la deuxième fiche. Oui. Super, alors continue. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Dylan? Je suis en train de me corriger. Une phrase affirmative. D'accord. Et tu te corriges tout seul. Que fais-tu, Rosalie, sur l'ordinateur? Je valide un blason orange. D'accord. Tu as obtenu le mot de passe du blason orange? Oui. Bravo. Donc tu vas pouvoir passer après au blason rose. Bravo. Que travailles-tu ce matin, Mila? Je travaille sur les verbes à place sur mon impasse et il faut écrire la forme soit négative ou affirmative sur mon ardoise. D'accord. Et tu te corriges toute seule? Oui. Elle écrit où la réponse? Derrière. Que colories-tu, Carl? Le jeu d'ordinateur d'encadrer des nombres. D'accord. Tu as réalisé combien d'erreurs? Deux. Donc tu colories en bleu. C'est bien. Pour une première fois. Tu travailles sur quoi, Loane? Sur le verbe. Et qu'est-ce que tu dois faire? Je dois identifier le verbe. D'accord. Avec le petit rond rouge, tu me le montres? C'est lui. Et comment tu fais pour te corriger? Je regarde si c'est bon. Je regarde la réponse derrière. Vas-y. T'as eu bon? Oui. Bravo.